J'ai 26 ans et je pense que notre génération, déjà, on a été éduqués dans un esprit de préservation de la planète, préservation de l'environnement, et on arrive à un stade et à un temps où on voit qu'il est urgent de valoriser le recyclage, de diminuer l'impact environnemental et sociétal, surtout de l'extraction des matières premières qui polluent beaucoup. Le projet, il est né parce que il y avait déjà un marché qui était exponentiel au niveau des batteries des véhicules électriques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément les recycler. Alors à Eurojust Industries, en fait, ils réceptionnent la batterie, et ils la démantèlent et ils vont la séparer en plusieurs fragments. Et ensuite, nous, sur Cedilor, on va récupérer ce qui s'appelle la black mass, qui contient différents métaux. Au laboratoire, du coup, on arrive à voir sous quelle forme on va pouvoir les ressortir pour les réintégrer dans le processus de fabrication de batteries de véhicules électriques. Chaque collaborateur apporte son savoir-faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves au quotidien, on ne trouve pas forcément de solution du premier coup. Je pense que grâce à notre optimisme et à la persévérance qu'on a, on arrive finalement à trouver un process fiable, robuste, qui peut valoriser les métaux présents dans les batteries des véhicules électriques. On sent l'envergure de Veolia et notre volonté à vouloir basculer vers cette transformation écologique. Ça fait de mon projet professionnel un plaisir et on apprécie de venir travailler tous les jours pour ce genre de cause.